Et je suis en direct, c'est formidable. Salut les petits clous. Ah, j'ai encore Baphomet derrière. Je vais le dégager parce que on va commencer à insinuer que je provoque avec ces histoires de Baphomet. Voilà. Là, normalement, on ne le voit pas. Alors, Fabrice, bien le bonsoir, Fabrice. Fred Barberousse, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Combien vous êtes? 18, c'est pas beaucoup, ça. Bon. Vous savez pourquoi on est là, les petits clous. Ce soir est un grand soir. C'est le tirage au sort de la loterie concernant le voyage au Vietnam. Je vous avoue que je suis un petit peu stressé. J'ai une petite boule au ventre, voilà, alors que il y a un petit stress alors que je joue pas ma vie là-dessus. Puis en plus, moi, je vais même pas jouer la loterie dans l'absolu, donc voilà. Mais j'ai un petit stress. Ben Mehdi, salut à toi, Ben Mehdi. Vous êtes combien? 33, c'est bien moins que le nombre de participants à la loterie. On va attendre un petit peu. Lumos pour un moldu, salut à toi. Si vous ne connaissez pas Lumos pour un moldu, c'est l'auteur des livres Harry Potter et le secret des alchimistes que j'ai utilisé pour faire les vidéos sur Harry Potter. Salut Sirdeclocate, Diane, bonsoir. Adbeg, Armel, bon sergent, bonsoir à tous. Bon, rapidement, je vous fais juste un petit peu le programme de la soirée. Je pense qu'on va se prendre à peu près une heure. Pas plus, allez, trois quarts d'heure, une heure, parce que je vais faire le tirage vers la fin, parce qu'une fois que le tirage sera fait, je sais que tout le monde va partir du live, donc après, j'aurai plus grand-chose à dire. Très rapidement, je vais essayer d'organiser mes pensées, parce que comme je suis un petit peu stressé, puis en même temps, je suis tout excité, du coup, je vais essayer de canaliser un petit peu tout ça. Je vous fais vite fait le plan de la soirée. Premièrement, je vais vous donner les chiffres. Les conclusions, les chiffres sont tombés, les chiffres sont là, j'ai l'impression d'être sur BFM TV en disant ça. Je vais vous donner déjà donc, les chiffres de la loterie. Ensuite, je vais vous montrer le site que je vais utiliser pour faire le tirage au sort. Je vais ensuite faire une démonstration de ce petit site pour faire du tirage au sort. Et ensuite, je vais faire un truc. Alors, je vous préviens, ça va peut-être être long et chiant, mais je vais lire tous les noms des participants qui ont joué. Parce que y a peut-être des gens qui n'avaient pas confiance, il y a peut-être, j'ai eu par message privé, par commentaire des gens qui me demandaient que je fasse ça parce que des amis à eux, les proches à eux leur ont dit tu t'es fait arnaquer, le mec c'est n'importe qui, ça se trouve il va t'arnaquer, etc. Donc je vais faire l'effort de lire l'intégralité de la liste des participants avant de faire le tirage au sort. J'espère que tout le monde sera bien attentif et écoute s'il y a son nom et le bon nombre de tickets. Et ensuite, évidemment, je ferai le tirage au sort. Pour l'instant, on attend un petit peu hein, que tout le monde arrive. Qui est là encore? François Deschênes. Alors, François Deschênes, c'est un concurrent sérieux. Attention, parce que François Deschênes, il a acheté quelques tickets. Merci à toi. Alors, je vois François, il y a un J. Est-ce que c'est Jean-François ou c'est François? Est-ce que j'ai ton nom sous les yeux, là? Ah, c'est Jean-François Deschênes, pardon. Jean-François Deschênes qui habite au Canada et qui a acheté beaucoup de tickets. Alors, merci à toi parce que du coup, tu as grandement participé à l'élaboration de ce projet. Un grand merci. Tiffany, bonsoir à toi. Ameno, salut, bonne chance à tous. Salut Hervé. Quelqu'un qui me dit, j'imagine que c'est trop tard pour s'inscrire. Oui, c'est trop tard pour s'inscrire. C'est trop tard parce que j'ai fermé la boutique, parce que j'ai fait mes petits statistiques, j'ai préparé mon tableau. Mais non, tout est prêt, on ne bouge plus. Donc voilà, c'est trop tard pour s'inscrire. Désolé, c'était jusqu'à dimanche 18h. Mathieu Préto, salut à toi Mathieu. Quelqu'un me dit, j'imagine que tu as atteint le niveau que tu espérais. Oui, alors on va voir ça juste après. Je vais vous montrer les chiffres très bientôt. Armel, bon sergent, oui merci, j'attends de savoir c'est quoi le concours et si c'est l'unique sujet du live. Juste cliquer sur un tir. Alors oui, Armel, je t'annonce tout de suite que ce live est uniquement dédié au tirage au sort de la loterie qu'il y avait concernant le voyage au Vietnam. Il n'y aura rien d'autre après, donc c'est vraiment le live pour faire le tirage au sort. Donc si vous n'avez pas participé, que ça ne vous intéresse pas,
C'est peut-être pas la peine de rester. Je vous libère de vos obligations. Jean-François, beau projet. Ben ouais, beau projet, je trouve aussi. Ouais, ça a mis un petit peu de temps à partir. Je pense que les gens étaient un peu sceptiques au début. Mais j'avoue que la façon de le présenter, etc., ça pouvait. Je comprends que les gens étaient sceptiques. J'ai eu beaucoup de gens qui se demandaient si c'est, éventuellement t'es pas une arnaque, que le ticket était cher, etc. C'est vrai que c'était. Il fallait communiquer, il fallait que je vende un peu le truc, mais je trouve que c'est un beau projet. Et je suis absolument, je suis très heureux de savoir que d'ici quelques minutes, l'un d'entre vous partira au Vietnam avec moi pendant 2 semaines pour la modique somme de 20 euros. C'est pas mal pour ceux qui ont pris un ticket, ceux qui en ont pris plusieurs, s'ils gagnent évidemment, ce sera plus que 20 euros. Mais effectivement, je suis assez content qu'on soit à le bout. En effet, bonne chance à tous. Eh bien, merci Armel d'être passé. Une bien bonne soirée à vous, désolé. Hein. Je referai d'autres lives occasionnellement sur d'autres sujets, vous inquiétez pas. On croise les doigts, on touche du bois, on touche du singe, on touche du bois, on fait tout ce qui peut porter chance, on le fait. J'ai toujours trouvé sympa, vraiment chapeau top pour ce projet. Merci beaucoup Hervé. Bonsoir la gardienne de l'eau. Bonne chance tout le monde. J'ai pas participé, mais je reste pour le suspense. Ouais, je comprends, il y a un petit suspense. Je comprends. Bonsoir à toutes, bonne chance. Merci Tony, et bien merci à toi Christian Casanova. Je me suis pris une petite boisson fraîche parce que je suis tout excité, je parle vite beaucoup et j'ai soif. Alors, mes petits clous, on va attaquer. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit plus clair pour tout le monde, je vais vous partager mon écran. Alors, c'est la première fois que je le fais, j'espère que tout va bien fonctionner. Est-ce que l'on connaît le gagnant? C'est ça la question. Ben non, il va arriver d'ici quelques minutes. Je voudrais déjà vous partager donc mon écran. Ah oui, je peux changer. Ah, ben, je vais faire ça. Ça va être plus simple. Regardez, tac. Dites-moi, faites-moi un petit retour technique, à voir si ça marche toujours bien, si vous voyez bien, si vous voyez bien mon écran et si vous me voyez moi toujours et si ce n'est pas un peu au ralenti parce que chez moi, ce n'est pas très beau. Et si le son est toujours bon, etc. Ton stress est légitime. Ouais, je sais pas. Et ma boisson à moins. Ben ouais, non, mais allez chercher de petites boissons, détendez-vous. Le tirage, il arrive dans 5-10 minutes. Bon, si apparemment, il n'y a pas de plainte technique, donc c'est que la vidéo fonctionne toujours bien. C'est formidable. Chez moi ça rame. Ah mince, Laurence me dit que chez elle ça rame. Mais est-ce que c'est tout bon son image? Ah bon, d'accord, formidable. Bon, alors vous avez les chiffres sous les yeux, nous avons atteint les 205 tickets vendus avec un nombre de participants de 126. Vous avez donc été 126 à participer, on a vendu 205 tickets. Alors, vous aviez vu qu'au début, c'était 250, j'ai vu qu'on ne l'éteindrait jamais. Du coup, j'ai réussi à grignoter du budget un peu à droite, à gauche et à refaire mes calculs. Et je me suis dit que 200 serait, on va dire, suffisant. Il manquera peut-être 2-3 euros et je les mettrai de ma poche, ce n'est pas très grave. Mais voilà, je m'étais dit 200 et on a fait 205 tickets vendus. Alors, un grand merci à vous d'avoir permis à ce projet de se concrétiser. Vraiment, un grand merci. Je précise quelque chose. Donc, on a vendu 205 tickets et on a 126 participants. Je le dis, je vais dire quelque chose pour une raison particulière. J'ai retiré 6 tickets au total. Donc, nous serons à 199 tickets à la fin. J'en ai retiré 6 pour une simple et bonne raison. C'est que des gens de ma famille et des amis proches ont participé à la loterie, non pas pour gagner le voyage, mais simplement pour la générosité de participer à la loterie. Et ils m'ont dit, de toute façon, on ne veut pas partir au Vietnam, donc on participe, mais retire-nous de la liste pour qu'on ne soit pas tiré au sort. C'est pour ça qu'avant de démarrer, je souhaite du fond du cœur remercier mon papa, ma maman, Marion et Pascal. Merci à vous. J'ai même mes grands-parents qui ont participé. Pépé, mémé, merci beaucoup. Nadine et Pascal aussi se reconnaîtront. Merci beaucoup, même si je pense qu'ils ne sont pas devant ce live. Ce n'est pas grave. Je fais aussi un gros bisou à ma femme qui a acheté un ticket mais qui ne souhaite pas participer au tirage au sort.
Et voilà, j'ai cité tout le monde et vraiment un grand merci à vous. C'est extrêmement généreux de pouvoir voilà, partager, acheter un ticket sans vouloir partager au tirage au sort. Vraiment un grand merci à vous. Et puis évidemment, merci à vous tous les petits clous qui avez participé. C'est grâce à vous si on a pu être au bout de ce projet un petit peu fou. Je sais pas trop ce qui m'a pris de faire ça, mais je suis plutôt content. Je vous avoue que je suis assez satisfait qu'on soit allé au bout. Ces deux semaines de stress là, c'est pas mal que ça s'arrête. Mais vraiment, merci à vous. Merci à... voilà, Marion, elle est même sur le chat. Marion Simon, là, vous la voyez, elle venait de commenter. Vous pouvez lui dire un grand merci. Elle fait partie de ceux qui ont acheté des tickets et qui ne seront même pas dans la liste pour être tirés au sort. Si ça, ce n'est pas de la générosité. Donc, c'est-à-dire que grâce à tous ces gens, on a pu aller au bout du projet et ça vous donne plus de chances de gagner parce que du coup, il y a moins de tickets. Il y a moins de tickets sur la roue. Bon, voilà pour ce qui est, des résultats. Maintenant, je vais vous montrer. Alors, je vais arrêter le page de cet écran et je vais vous partager. Il y a Darkfool qui dit « T'auras droit à une carte postale, Marion ». Effectivement, mais je compte sur vous, les petits clous. Alors, je compte. Alors, j'aurais dû le mettre dans le règlement du jeu. Celui qui gagne ce soir, il doit écrire aux 6 personnes qui ont acheté un ticket et qui ne veulent pas participer au voyage parce que c'est un peu grâce à eux qu'il part. Et donc, j'aurais dû mettre dans le règlement, effectivement. Mais je pense que celui qui partira, on le forcera à rédiger 6 cartes postales et à les envoyer. C'est une très bonne idée, Darkfool. Merci beaucoup. Allez, je vais vous partager. Voilà. Attention, là. Roue de la fortune, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis. Voilà ce qui nous servira pour le tirage au sort de ce soir. Alors, je vous montre. Mais oui, t'inquiète pas, Marion, t'enverras une carte et tous ceux qui ont, tous les gens, mes parents, mes grands-parents, mon oncle, beaucoup de gens qui ont participé juste pour parce que c'est la famille, parce qu'on participe. Et ça, c'est très gentil, on leur enverra des cartes avec des gros bisous. Il y en a qui disent, ça m'arracherait la gueule, mais c'est pour la bonne cause. Un grand merci, un grand merci. Allez, une meule, on est parti. Alors, je vous explique, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais aller prendre... Pour l'instant, je vais faire un test pour vous montrer comment ça fonctionne. Et vous montrer que c'est très, très simple. J'ai sur moi une liste de 125 noms et prénoms fictifs. J'ai demandé à notre ami ChatGPT de me générer ça parce que j'avais pas que ça à faire, de écrire 125 noms et prénoms. Et en gros, j'espère que tout le monde voit bien, en gros, c'est facile. J'ai juste à rentrer une liste, hop, des noms et prénoms. Alors tout ça, c'est fictif, hein. Ça sert à rien de chercher s'il y a votre nom dans la liste, ça c'est juste des noms et prénoms fictifs. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, on a un petit bouton qui sert à mélanger tout ça, parce qu'on peut les trier par ordre alphabétique, ou on peut les mélanger, histoire que ça chèque, histoire qu'on mélange tout ça. Et une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à appuyer sur la roue. Et le site, un gagnant, Camille Rousseau. Cette personne n'est pas dans la liste, hein. S'il y a des Camille Rousseau, je suis vraiment désolé, c'est un nom totalement fictif généré par une IA. Voilà, c'était juste un test. Hein. Ceux qui viennent d'arriver, là, on n'est pas en train de faire le vrai tirage. Pour vous montrer que c'est bien aléatoire, et puis aussi, on va se refaire. Dans l'absolu, Camille Rousseau peut sortir à nouveau. Il y a une chance qu'elle ressorte. Voilà, maintenant, on a Lou Richard. Allez, j'en fais un petit troisième, parce que c'est rigolo. Hop, Léa Dubois. Voilà, vous avez compris le concept, c'est extrêmement facile. Il y a juste à rentrer une liste de noms et prénoms, ça se met dans la roue, on clique dessus, ça tourne, ça prend un truc aléatoire, et c'est comme ça que ça désignera le grand gagnant du voyage. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, des remarques, des réponses que vous voulez concernant ce tirage au sort, je vous invite à le faire maintenant. Parce que là, je vais rentrer la véritable liste de noms et prénoms que je vais lire.
Et ensuite, on fera le tirage au sort. Donc, si vous voulez dire quelque chose, poser une question, allez-y. Maintenant, les petits clous. Donc, j'avais dit 6 tickets qui ont été retirés. Donc, il y a 205 tickets qui ont été vendus au total. Et donc, on se retrouve avec une liste de 199 noms et prénoms. Alors, Darful qui dit, en gros, on n'aura que la bouffe à payer. J'ai bien compris. Mais alors, même pas, parce que c'est un voyage qui est en pension complète. Que ce soit pour le tirage au sort ou si, une fois que le tirage au sort sera fini, s'il y en a qui veulent s'inscrire pour le voyage, c'est un voyage en pension complète, c'est-à-dire que tous les repas sont compris. Il y a juste un repas qui n'est pas compris, c'était pour des questions de logistique, parce qu'on sera dans un aéroport à ce moment-là et je ne pourrai pas gérer les repas, donc il faudra que chacun s'achète des petites bricoles à grignoter à l'aéroport. Mais tous les repas sont compris et les boissons ne sont évidemment pas comprises parce que je ne sais pas ce que vous voulez boire, donc autant je peux un peu imposer les repas en disant bah, aujourd'hui on va choisir ça, etc. Parce que les repas sont les mêmes pour tout le monde, ils sont choisis en amont, hein. On choisit pas la carte à chaque fois évidemment, sinon on perdrait beaucoup trop de temps. Et donc les boissons ne sont pas payées, mais les repas le sont. Et là je vous paye le billet d'avion plus le voyage en pension complète. Il y a juste un repas à vous payer. Et il y a juste évidemment les souvenirs que vous achèterez pour vous. Et les pourboires au guide aussi qui ne sont pas compris dans le voyage parce qu'ils sont à l'appréciation de chacun. Voilà, et si on a pris plusieurs tickets, on doit avoir plusieurs fois notre nom. Fanny Dufour, exactement. Alors là, je vous l'ai dit en début, là, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais faire un truc qui va être probablement assez chiant. C'est que je vais lire tous les noms. Je vais lire tous les noms et je vais compter le nombre de tickets qu'a acheté chaque personne pour être sûr. Je sais qu'effectivement, Fanny en a acheté 2 ou 3, il me semble. Donc, je vais classer ça par ordre alphabétique et on va compter. Je vais lire l'intégralité des noms et compter les nombres de tickets. Et comme ça, tous ceux qui sont présents. Alors là, vous êtes 53 en live, donc il y a moins de personnes là en live que de participants. Donc, en tout cas, ceux qui sont là se reconnaîtront. Et si jamais il y en a qui sont là, qui n'ont pas été cités, vous signalerez, mais j'ai été extrêmement méticuleux, tout est bon normalement. Je finis juste de prendre vos questions avant de lire les noms et prénoms. Bon à savoir, ce truc finit les papiers de tirage au sort, un lien, c'est pour les kermesses de fin d'année, mettez un lien. Laurence, on a Shinze qui vient d'arriver. Je sais pas si tu as répondu, mais si jamais je ne suis pas tiré au sort, est-ce que je peux quand même venir en payant ma place plein pot? Exactement, vous pouvez venir. Oui, en fait, à la loterie, c'était vraiment juste pour faire une sorte de pot commun, que tout le monde achète un ticket et qu'après, on tire au sort une personne pour qu'il puisse partir pour 20 euros. Alors, c'est un truc que j'aimerais bien faire parce que vous savez, j'ouvre le voyage Égypte en avril de l'année prochaine, avril 2025. Et j'aimerais beaucoup refaire ce truc-là à chaque fois. Le problème étant que là, vous avez vu, on est 205 participants. Enfin, il y a eu 205 tickets vendus, pardon, pour une centaine de participants. Le ticket à 20 euros, personnellement, je trouve que c'est un petit peu élevé. J'aurais préféré le faire moins cher, mais si je le fais moins, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de monde, etc. Donc, je vais voir. Mais peut-être que pour avril l'année prochaine, pour le voyage d'Égypte, j'aimerais bien tenter un truc de allez, on fait un ticket à 5 euros, voire même à 3 euros. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faudra derrière, il faudra 1000 ou 1200 participants nécessaires, enfin 1200 tickets vendus pour pouvoir faire le tirage au sort. Mais voilà, donc l'idée, c'était que chacun mette de 20 balles dans le pot commun et puis qu'à la fin, on tire quelqu'un au sort et que cette personne gagne le voyage. Quoi. Donc oui, évidemment que derrière, vous pouvez vous inscrire. D'ailleurs, il y a déjà des gens qui sont inscrits hein, sur la fiche. Là actuellement, il y a 3 personnes qui sont inscrites. On en a... il y a Cédric, je ne sais pas, je ne crois pas que Cédric se soit là, je ne l'ai pas vu passer dans le chat ce soir, mais Cédric va s'inscrire prochainement. Il y a évidemment Léna qui nous guidera pendant les séances de méditation. Donc, on est déjà quasiment 7 sur le voyage, sans me compter moi. Avec moi, ça fait 8. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous avez les liens. Je crois que j'ai tout mis dans la description du live. Vous n'hésitez pas, il y a tous les liens. Et si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, je suis là pour ça. Celui qui a acheté plusieurs tickets ne se retrouve pas au même endroit dans la roue. Alors non,
Non, vous ne serez pas au même endroit. Ceux qui ont acheté plusieurs tickets se retrouvent partout sur la roue. Et en réalité, ça donne un peu plus de chances de gagner parce que le problème, c'est que si tu prends ça d'espace dans une roue et puis que la roue passe au-dessus, bah, elle passe au-dessus de tous tes noms d'un coup. Alors que si tu es éparpillé, tu as un petit peu plus de chances de gagner. Pourquoi ces pseudo-engagements demandés avant, même si... De quoi ? Mais alors, pourquoi ces pseudo-engagements demandés avant, même pas trouver le prix des tickets de toute façon ? Clotilde, vous n'avez pas trouvé le prix des tickets ? Bon, d'accord. J'ai raté des petits commentaires là, je vais remonter un petit peu. All inclusive, ça y est, le stress est tombé à zéro. Ouais, Ameno, t'inquiète pas, c'est all inclusive. T'es la première personne à bien prononcer mon pseudo. Eh ben écoute, salut Maxime, je suis Eurasien, mon père est vietnamien, je ne suis jamais allé dans ce pays, donc je vais venir. Oh, il y en a qui essaient de provoquer la chance là. Comme à la base, c'était 250, puis finalement 200, ça veut dire que tu as mis la différence de ta poche. Si oui, t'es un crack. Alors oui, il y aura une partie qui sera de ma poche, effectivement. Il y a une partie qui sera prise en charge, pas tout, mais une partie qui sera prise en charge de ma poche. Ça ne change rien hein, pour celui qui va gagner. Mais j'ai dû prendre... Je savais qu'on n'irait pas à 250, et là, on a fini à 205. Voilà, je savais qu'on n'irait pas au bout. Donc, j'ai décidé que je réglerais ça comme ça. Alors, je vous mets les noms et prénoms dans l'ordre alphabétique. Et je vais les lire. Je sais que ça va être... Je bois avant parce que ça va me donner soif. Alors, soyez attentifs, on ouvre bien les esgourdes, les étagères bien ouvertes. Je vais lire l'intégralité de la liste, ça va être un peu long. J'en suis navré, mais je tiens vraiment à le faire. Alors, on participait à cette loterie. Jean-François Deschênes qui dit, en regardant la roue, je vois que mes participations ne sont pas dispersées. Non, pas encore, parce que là, j'ai juste rangé. Là, j'ai rangé tous les noms par ordre alphabétique pour les lire. Une fois que j'aurai fini de les lire, je vais cliquer plusieurs fois sur le mode aléatoire. Et comme ça, ça va éclater les noms sur l'intégralité de la roue. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, avant de cliquer sur la roue pour lancer le tirage au sort, je vais laisser 5 minutes pour que tout le monde mette son commentaire, sa question et tout, parce que je voudrais pas qu'il y ait des soucis. Alors, on participait à cette loterie. Je vais rapprocher un peu le micro parce qu'il faut que je tourne ma tête à droite. Mon écran est juste là. Alors, Chad, et d'ailleurs, désolé si jamais je prononce mal certains noms, prénoms, etc. Vous ne m'en voudrez pas. Il faut que je fasse vite. Alors, on participait. Adrien Pellegrin. Alexandre Clément et Garcia a 2 tickets. Alexandre Vadro. Amael Lorenzi. Amir Ali Sotoudenia. Angélique Raffi. Anna Piraneo. Antoine Guernier. Arnaud Zissel. Audrey Vichard, 2 tickets. Aurélie Blindoer. Aurélie Papalia. Aurélie Roux. Ayantan Maendran. Bastien Baudaigne. Benchik Mohamed Mehdi. Benjamin Baudiquez. Benjamin Bénard. Benoît Tardy. Betsabe Bénédine. Basquez Virginie. Bruno Dufour. Cathy Rode. Cécilia Michaud, Cédric Locatelli, Céline Remézi, Charles A. Lohang, c'est pas facile celui-là, Christian Casanova, Cindy Lecoq a 2 tickets, Clément Huiban, Damien Langry, non Lanny, pardon, Dylan Berg, Eric Human qui a 2 tickets, Esteban Godet, Étienne Barthes, Eva Cornelis. Ensuite, on a Fabien Combaz qui a 1, 2, 3, 4, 5 tickets. Ensuite, on a Fanny Dufour qui a 2 tickets. Florian Désiné, Franz Leul, Gabriel Perret, Gaël Guillard, Gaël Jousmet, Gaël Wagner, Galatanu Virgile, Gauthier de Fonclar, Guillaume Trédan, Gwenaël Le Boulaire, Anna Dandrel, Heidi Valwell, je ne sais pas comment ça se prononce, Hué Swan, Ilan Roquier, Jade Pasquini, J.C. Laurent, Jean-Pierre Rodriguez. Et alors là, il y en a un qui a littéralement pété les plombs, c'est Jean-François Duchesne qui a acheté 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tickets. 30 tickets pour notre ami Jean-François Deschênes. Autant dire qu'il a quand même pas mal participé à la concrétisation du projet. Merci à toi, Jean-François. Jeanne Cornet, Jennifer Huyn, Joanne Escriwella, qui a 1, 2, 3, 4, 5 tickets. Jonathan Belli, Joséphine Paris, Julien Gosse, qui a 2 tickets, Julien Lautier, Julien Vianney, Kevin Hilaret. Alors, Koenig, Claudine, par contre, je vais l'enlever parce que c'est ma femme et elle a participé, mais elle ne souhaite pas être tirée au sort. Laura Pépineau, Leslie Schmill, Loïc Saint-Yves, Lucie Bonissi, qui a 1, 2, 3, 4, 5 tickets. On arrive bientôt au bout, ne vous inquiétez pas. Ludovic Issoz, Madi Giraudet, Magali Enjalran, Manon Boily, Marilyn Eji, Mathieu Préto qui a 2 tickets, Mathieu Puccio, Michael Betty, Michel Moinel, Michel Prince qui a 2 tickets, Michelina Del Casale qui a 2 tickets, Myriam Guerfal, Nadine El Kadiri, Nathalie Pinon qui a 3 tickets, Nathaniel Pierra, Nicolas Burdet, ensuite on a Nicolas Effner qui a 1, 2, 3, 4 tickets, et ensuite Nicolas Obradovic qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tickets. Ensuite, et on arrive bientôt au bout, Niels Mathieu qui a 2 tickets, Noémie Gatignol, Olivier Lamontagne qui a 2 tickets, Olivier Verbourg, Verbure, je ne sais pas, Pascal Deméo qui a 2 tickets, Pauline Huette, Philippe Champouret, Pierre Durand, Pierre Durussel, 2 tickets, Pierre Malfant, Pierre-Emmanuel Celdenis, Priscilla N, oh, je n'ai pas demandé le nom de famille, ça ne me ressemble pas, Kérou, Virgile, Rémi Fourdrinier, Romain Branger, Romain Rémessi, Roxane Sanchez, comment elle fait pour s'asseoir, Sarah Béjaoui, Sarah Fillon, Sarah Vigourou, Sébastien Bendrel, Sébastien Martin Laval, Sébastien Pintus, Ségolène Vernier, Shakuntala Jigé, Thibaut Maîtras, Thomas Boucher, Tiffany Cady, Vincent Marzocchi, Vincent Padilla, 2 tickets, Vincent Picard, Virginie Lombard, Willy Brouard, Yann Reynaud, Yannick Nicolo et Yolande Humbert. Je pense que j'ai perdu tout le monde dans le live. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, 93, ça va m'augmenter. Voilà, ah ben Magali, je viens de lire ton prénom il y a assez peu de temps, me semble-t-il. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vais pas cliquer tout de suite, attention. Je vais déjà passer. Oh, en plein écran. On enlève le superflu. On n'a plus que la roue en plein écran. Tous les noms sont là. Ah, j'éclate un petit peu en mode aléatoire. Plam, plam, plam. Vous voyez, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On s'arrête là. Ah, je suis dans un état de stress, vous n'avez pas idée. J'ai l'impression que je vais passer un examen, quoi. Terrible. Je bois 2 secondes. Hein. Alors, nous sommes là, heureuses de voir si certains ne gagnent pas. Ils auront fait leur part. Bon, les petits clous. Si vous avez. Oh, on est à 108 parties, 108 sur le live. Là, on est potentiellement sur tous ceux qui ont participé sont là. Bon. Si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des quoi que ce soit, allez-y maintenant parce qu'il est 19h00. Je pense que dans moins de 3 minutes, je vais cliquer sur cette roue afin de tirer au sort le grand gagnant. Désolé si je mets un peu de suspense, j'ai les mains moites et tout. Depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas sous mon bureau, je suis comme ça, c'est un enfer.
Voilà, posez vos dernières questions, vos derniers commentaires, vos dernières remarques. Je vous laisse encore 2-3 minutes pour le faire. Et je profite de ces 2-3 minutes pour vraiment vous remercier. J'avoue que je suis assez satisfait qu'on ait pu aller au bout de ce truc-là. J'espère que c'est un truc que je pourrais refaire. Je sais qu'il y a le voyage Égypte qui intéresse aussi beaucoup de monde pour avril 2025. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire ça, même quasiment à chaque voyage. Ça peut être rigolo avec un ticket moins cher, etc. Et plus de monde éventuellement, ça peut être cool. Shinze qui dit, j'ai vu que le prix du billet d'avion n'est pas compris, en tout cas en achetant en autonome le package sans tirage au sort, j'ai pas regardé le tarif. Oui, alors effectivement, si vous venez, donc là, dans le cadre de la loterie, celui qui gagne, il a le voyage plus le billet d'avion, mais si vous prenez le voyage, vous venez hors loterie, oui, effectivement, le billet d'avion est à votre charge, parce que ça dépend de vous partez. Tu m'as dit pour un aller-retour France-Vietnam. Alors, France-Vietnam, ça va de... Je crois que ça va de 700 à 1200. 1200, c'est pour les directs Air France qui font en gros Paris-Charles de Gaulle-Hanoï. Et les 700, c'est les moins chers avec une escale qui se fait, je ne sais pas où, peut-être en Chine ou un truc comme ça, pour des départs de France. Voilà. Après, j'ai vu qu'il y a énormément de gens qui ont participé à la loterie qui ne sont pas de France. Et vous allez rire, mais dans les inscrits, j'ai déjà 3 des inscrits qui sont pas de France. Donc voilà, si jamais vous voulez des explications sur les prix des billets, etc., surtout dites-moi d'où vous partez, parce que ça va être un groupe assez international, j'ai l'impression. Bon, allez. Combien de temps je vous laisse encore pour poser des questions et faire des petits commentaires? Je vais mettre un chrono. On va se la jouer réglo, bougez pas. Je pense que là, si j'en ai plus, c'est que... Allez, je laisse 2 minutes. Est-ce que 2 minutes, vous trouvez ça réglo? Dans 2 minutes, je fais le tirage au sort. Il vous reste donc 2 minutes pour poser vos questions. Actuellement, hors tirage au sort, tu as combien d'inscrits? Alors, inscrits, 3. Et par contre, dans ceux qui sont certains de venir, on est quasiment 7. Hors moi, évidemment, parce que je ne fais pas partie des inscrits. On est 7. Je pense que ce serait un voyage, donc je le fais à partir de 12. Je pense que ce sera un voyage, parce que j'ai reçu beaucoup de mails de gens qui sont en question, etc., qui sont en train de se poser des questions. Je pense que ce sera un groupe qui sera autour de 12, on ne sera pas beaucoup plus, peut-être 13, mais on ne sera pas beaucoup plus. Je ne prends pas beaucoup de place, le gagnant a-t-il une grande valise? Ah ben, si le gagnant a une grosse valise, on peut mettre un petit clou dedans. Entre les mondes qui dit de Suisse, pourquoi de Suisse pour les billets d'avion? Alors, de Suisse pour les billets d'avion, je crois que c'est un peu moins cher. Parce que suite au Covid, il y a beaucoup de couloirs aériens qui ont été perdus. Et je crois qu'au départ de Zurich, par exemple, il y a même plus de directs qui font Zurich-Hanoï. Donc, les billets sont un peu moins chers qu'au départ de la France parce que y a des escales, donc ils sont un peu plus longs, mais un peu moins chers. Il reste 40 secondes, le petit clou. Je suis dans un état de stress. Il faut vraiment que je fasse tourner ces trous parce que j'en peux plus. Là. Allez. Après, si vous avez des questions qui concerne le voyage, mais pas forcément la loterie là de ce soir. Il y a une adresse mail, vous pouvez m'écrire, c'est voyage@mysteria.me. Vous écrivez, vous faites des mails à rallonge, il n'y a pas de souci, je réponds à toutes les questions, je suis là pour ça. Et de toute façon, le prix du voyage comprend mon accompagnement à la logistique. Donc, si vous avez des questions, choisir les billets d'avion, les meilleurs moments, etc., quoi qu'il arrive, je vous aiderai. Attention. Ça va être l'heure. Allez, 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 j'y vais. Je regarde encore les derniers commentaires. Est-ce qu'il y aura des cours de cuisine? Oui, il y a un cours de cuisine au programme. J'ai une valise standard. Je voudrais faire payer un supplément mystérieux. Il y a des vols Marseille, la roue. Tout le monde est chaud. En tout cas, super projet. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Cette fois, on arrête de déconner. J'en peux plus. Je suis dans un état de stress. C'est terrifiant. À 3, je vais cliquer sur la roue. 1,
2, 3. Et c'est Jean-François Deschênes qui a gagné ce voyage. Et voilà, félicitations à toi, Jean-François. Tu as été tiré au sort. Tu as gagné ton voyage de 2 semaines au Vietnam en ma compagnie, billet d'avion inclus, voyage inclus. Et voilà, le verdict est tombé. Bravo, Jean-François. Merci à toi d'avoir participé. Bravo, merci. Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé. Merci. Merci. Ah ben, Jean-François, il est là. Et si, Jean-François. Et si. Tu étais tiré au sort. En tout cas, c'est chouette. Vous êtes super fair play. J'aime beaucoup vos commentaires. Vous êtes vraiment chouette. Bravo. Il y a beaucoup de bravo, beaucoup de bien joué. Merci beaucoup, franchement. Merci à vous d'avoir participé. Merci pour tous vos commentaires. Merci à toi, Jean-François. Jean-François Deschênes, je te contacterai probablement demain parce qu'on est dimanche soir. Donc, lundi, je vais te contacter pour te donner la suite des événements. En tout cas, félicitations à toi. Merci à tous d'avoir participé. C'était vraiment chouette. J'espère qu'on pourra refaire ce type de loterie pour des prochains voyages. C'est assez cool. C'est toi l'avatar JF Respect. Merci. Voilà, il y a beaucoup de messages. C'est vraiment gentil. Tu feras aussi profiter les perdants avec une vidéo de votre voyage. Oui, probablement que je vais faire un petit vlog. Je ne sais pas encore sous quelle forme. En fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment des choses. Il y a vraiment des choses incroyables à filmer là-bas. Si jamais tous les gens du groupe sont prêts à être filmés ou pas, voilà, je vais voir, mais je pense que je vais faire ça. En fait, il y a un seul truc qui est chiant pour filmer au Vietnam, c'est qu'il fait tellement chaud, tellement humide que les caméras se mettent vite en arrêt technique parce qu'il fait trop chaud. Mais oui, je pense que je ferai une petite vidéo, que je vous tiendrai au courant. Et voilà. Je vois beaucoup de bravo, beaucoup de bouteilles de champagne qui passent. Vraiment, c'est ça. J'aime beaucoup cet esprit, les petits clous. Vous êtes vraiment une communauté en or, quoi. Bravo, merci pour cela. 20 euros, c'est parfait. Ouais, je vais essayer. Vous savez, c'est juste le ratio, nombre de personnes. Le prix du ticket, il dépend du nombre de personnes que j'estime qui joueront. Vous voyez, à la base, j'ai parti sur 250. Finalement, on est parti, on a fini à 205 et j'avais dit la limite, c'est 200. Donc, en fait, je fixe le prix du billet. Si j'avais dit le billet à 10 euros, il m'aurait fallu deux fois plus de personnes. Est-ce que j'en aurais deux fois plus? Je ne pense pas. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'on peut estimer pour les prochains, mais j'aimerais tellement un jour faire une loterie où c'est 1 euro le ticket, quoi. Alors après, si on a envie d'en prendre 200, on en prenne 200, c'est pas le souci, mais 1 euro le ticket, je me dis que si quelqu'un joue 1 euro et gagne un voyage en Égypte ou au Vietnam, c'est vraiment un truc incroyable pour 1 euro. Donc voilà. Voilà, même si t'as mis... Il y a Darkfool qui dit même si t'as mis 600 balles, je suis content de te filer 20 euros. Effectivement, ouais. Magali qui dit c'est très bien à refaire. Vraiment, merci, je suis vraiment. Vous êtes vraiment une belle communauté. Vous me faites plaisir à mettre des commentaires aussi gentils et tout. C'est vraiment chouette. L'Égypte me tente, il faut vraiment que j'apprenne à utiliser le paiement par Internet. Oh, Laurence, c'est juste une histoire de paiement par Internet, c'est dommage. Ah, bah non, c'est dommage. Si c'est que ça, la prochaine fois, on essaie de faire un paiement par, je sais pas, un chèque à l'ancienne ou on envoie un coursier, j'en sais rien. Après, Laurence, alors juste pour information, Laurence, si jamais vous voulez vous inscrire pour le voyage qui se déroulera en avril 2025, le paiement en soi du voyage se fait pas sur Internet, se fait par un virement bancaire classique. Donc, si jamais, voilà, vous inquiétez pas pour le voyage. Là, effectivement, dans le cadre de la loterie, je suis obligé de passer par des paiements en ligne, mais sinon pour le règlement du voyage en soi, ça se passe par virement classique.
Ensuite, je regarde pour 2-3 commentaires, ça va vite. Il vit où qu'on aille lui payer l'apéro? Eh bien, il vit au Canada, l'ami Jean-François Deschênes. Au Québec même, je vois qu'il écrit au Québec. J'ai adoré participer à ces tombola. Merci Lumos pour un moldu, l'auteur de Harry Potter et le secret des alchimistes. Tous au Québec pour prendre l'apéro. Mais alors attendez, commencez pas parce que moi je lance une loterie. Hein, et on commence à organiser des loteries pour aller prendre l'apéro chez Jean-François. Et on s'organise ça d'ailleurs, c'est un petit groupe Facebook et on se retrouve à 200 chez Jean-François à taquiner du saucisson. Donc, le pays que j'aimerais habiter au Canada. Moi, j'ai habité, moi, au Canada. Salut les Québécois, s'il y en a. Bon, voilà les petits clous. Jean-François, j'espère. Shinze me chauffe pas trop parce que moi, je suis chaud. Ça revient un peu cher l'apéro parce qu'il faut prendre le billet d'avion, etc. Mais ce serait rigolo. Il y a Fanny qui dit je joue direct pour l'apéro. Vous voyez, ça se trouve, on a déjà 5-6 participants sous le coude. Moi, je mets un petit billet aussi. Donc, ça se trouve, on peut se faire une petite cagnotte apéro et on va tous chez Jean-François. Christian Casanova qui dit bien joué, je vous souhaite une belle aventure. Merci beaucoup pour ton commentaire pour Jean-François. Christian, c'est très gentil. Les petits clous, je vais vous laisser là-dessus parce que du coup, on a fait le. Voilà, je vois que bon, là, il n'y a plus personne hein, sur le live, tout le monde est parti. Vous avez laissé des messages plein d'amour, plein de lumière, plein de beauté. Et c'est vraiment chouette. Vous êtes vraiment une communauté en or. Vous êtes vraiment cool. C'est dommage. Sur les 100 et quelques, je vais. C'est pas que c'est dommage. Attention, Jean-François, je vais rencontrer qu'une seule personne sur tous ceux qui vont participer. Vous avez l'air tous tellement gentils, en fait, que j'aimerais tous vous inviter au Vietnam. Là. J'ai tous envie de vous payer l'apéro. Là. J'ai tous envie qu'on fasse des petites séances. Là. Il y a Camille qui dit, du coup, Tony, tu n'en as pas pour de ta poche. Alors, si, probablement, mais c'est une décision que j'ai prise de participer. De participer à ce voyage-là en partant. Alors, en réalité, pour être transparent, sur les 250 participants, j'avais un petit matelas de sécurité parce que le problème, c'est que j'ai ouvert la loterie à tout le monde et qu'il y a des gens qui se sont inscrits dans des coins du monde assez, assez improbables. Et je m'étais dit, il faut que j'ai un petit matelas parce que si le mec, il habite Paris ou s'il habite un coin paumé perdu au milieu de Centrafrique, ça ne va pas être le même tarif pour l'emmener jusqu'au Vietnam. Donc voilà, il y avait un petit matelas sur 250 que j'ai fait sauter et je me suis dit, bon, je vais en prendre une petite partie à mes frais parce que ça me fait plaisir. Et puis parce que, voilà, c'était le but de la loterie. C'était un truc où toute la communauté mettait un petit billet dans un panier pour qu'il y en ait un qui gagne. Donc je participe aussi. Et puis voilà, ça fait partie du truc. On a la communauté qui nous ressemble. Arrête, oh, je veux rougir. Après, la personne peut peut-être gérer son voyage jusqu'à Paris. Oui, oui. Après, l'idée, moi, c'est vraiment de faire une cagnotte où c'est clé en main. Effectivement, parce que j'aurais pu aussi, par exemple, faire soit une loterie avec un ticket moins cher ou avec moins de monde en disant je vous paye juste le voyage et vous vous débrouillez pour aller jusqu'à Hanoï. Le problème étant qu'il y a des gens qui ont participé parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de casquer le voyage. Donc, si à eux, je leur demande en plus du ticket ensuite de se payer le billet d'avion, voilà, ça me posait problème. Donc, du coup, j'ai préféré augmenter le nombre de personnes et le prix du ticket pour avoir un truc complètement payé, quoi. Si tu ouvres une cagnotte pour combler ce que tu vas sortir de ta poche, je participe, ne serait-ce que pour remercier cette belle initiative. Non, c'est gentil à toi, mais j'ai réfléchi au truc, vous inquiétez pas, j'ai su assez rapidement qu'on ne ferait pas les 250, donc j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps de réfléchir à tout ça, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Si je le fais, c'est que c'est possible pour moi de le faire. Je ne suis pas mis dans le rouge, de toute façon, depuis que je fais du YouTube, je suis plus ou moins tout le temps dans le rouge. Donc vous inquiétez pas pour moi. Bravo à tous les prix de cette chaîne, cette commune est vraiment top, surtout ne t'arrête pas. Merci à toi Darful, je vais faire de mon mieux pour continuer le plus longtemps possible. Nicolas qui dit c'est vraiment cool, merci. Eh bien écoutez, merci à tous. Et quand on aime, on ne compte pas, rapport avec le Vietnam, les NEM, on en mangera quelques-uns effectivement. Je vais arrêter le partage de l'écran puisque
puisque ce n'est plus nécessaire. Vous connaissez désormais le grand gagnant. Je vous laisse là-dessus, les petits clous. Le stress commence à redescendre. J'avoue que j'avais la boule au ventre là depuis début d'après-midi. Parce que, je sais pas, ça mettait un petit coup de stress, cette histoire de loterie, là. Donc voilà, maintenant, nous avons le grand gagnant. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci à tous d'avoir participé. Félicitations à toi, Jean-François, pour ce résultat. Merci d'avoir participé. Mathieu Préto, effectivement, la carte postale. La carte postale, Jean-François, tu n'auras pas intérêt à oublier. Et je fais aussi encore un grand merci aux gens de ma famille qui ont participé sans faire partie de la liste pour être tirés au sort, qui ont participé par pure générosité. Je leur fais des gros bisous. S'ils regardent ce live, ils se reconnaîtront. Je les ai tous cités en début de vidéo. Moukoula, Moridi, au Congo, Kinshasa. Bonjour le Congo. Hors sujet, j'ai pensé à toi, Mystère. Je me suis mis dans le Kibalion. C'est effectivement hors sujet, mais c'est un bon petit bouquin. Peut-être que si tu joues au Vietnam, on aura l'occasion de passer des longues soirées à parler du Kibalion. Bon, allez, les petits clous. Merci à tous. Regardez, je suis déjà en mode Vietnam. Je suis déjà dans une forme de salutation asiatique. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous d'avoir rendu ce projet possible. Merci à tous les membres de ma famille qui ont participé sans vouloir être dans la liste des tirés au sort. Félicitations à Jean-François. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo, même pour un live. Peut-être que prochainement, je ferai un petit live juste pour qu'on discute. Vous êtes tellement sympathique, vous êtes tellement plein d'amour, plein de lumière qu'on n'a pas besoin d'avoir des sujets, des trucs complexes. On discute un petit peu. C'est vraiment chouette. On attend la prochaine loterie avec impatience. Ah ouais, j'espère qu'elle ne sera pas tout de suite. Il faut que je fasse redescendre un petit peu la dose de stress là. Hein, mais tu peux aller boire une pinte pour te détendre. Ouais, je pense que je vais m'ouvrir une petite canette là, histoire de. Allez, je vous fais des gros bisous, les petits clous. Merci à tous, vraiment du fond du cœur. Encore félicitations à Jean-François. Et je vous dis à très vite. Ciao.